Et salut à tous, c'est Matenger pour l'épisode 1, ou le seul épisode, on verra bien, de Dead Prison 2, comme vous pouvez le voir ici. C'est parti, on va commencer ceci. Donc on va devoir dans cette map, hein, oula, il y a toujours des bugs. On va devoir dans cette série, dans cette map, ouvrir 4 générateurs. Donc c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce que j'ai galéré à mort. Et je savais pas qu'en fait cette brique ne se faisait pas de dégâts. Et faisait mal aussi, je savais pas du tout. Donc c'était difficile de faire tout ça à la main. Donc là vous voyez, c'est déjà 10 fois plus facile. Hein. Donc c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va commencer cette map. Donc 4 générateurs à activer et puis pouvoir aller. Dans la zone d'extraction entre guillemets. Hop. Donc vraiment je suis content d'avoir trouvé parce que j'ai complètement galéré à jouer à la main en fait, à attaquer les zombies à la main, c'est presque impossible quoi. Hop. Donc là je tue tous les ennemis ici, mais je sais que c'est pas ici qu'il faut aller. Hein. Donc, hop, je vais en arrière. Et tuer d'autres zombies. Donc le mieux en fait c'est de trouver les leviers. Les leviers c'est pour activer ceci comme vous voyez. Donc ça c'est pas un générateur, c'est juste pour ouvrir les portes, les grilles comme cela. On va aller vers là-bas. Donc là je sais qu'il y a un zombie, comme je l'ai déjà fait. Hein. Je sais qu'il y a un zombie que j'ai déjà fait le début en tout cas. Qui a un levier dans ses mains. Bon ici il n'y a personne par contre, c'est bizarre. Là-dedans, je sais qu'il y a un cocktail Molotov. On va le jeter sur tous les zombies là-bas. Et merde. Pas assez loin. J'ai été nul. Oula, lui, il fait mal par contre. Donc lui, je crois qu'il faut 4 coups pour le tuer et eux, 2 coups. Voilà. On va attendre un petit peu. Donc là, on a eu un levier. Donc qu'est-ce qu'on va là-bas tout de suite? Oui, on va aller là-bas tout de suite. Comme ça, on va activer le premier générateur. Bah, je sais pas à quoi ressemblent les générateurs, c'est ça le problème. Donc, j'espère que ça ressemble à ça. À ça là-bas. Oh putain, lui était bien caché. Lui. Donc là, je me suis mis dans un cul-de-sac. J'ai été con. Allez! Putain, il fait mal. Hop! Donc, on va prendre du pain et on va attendre que ça augmente un petit peu. Donc il y aura sûrement plutôt des coupures hein, pour augmenter ma vie, vous n'allez pas avoir ça. Allez, ça devrait être bon. Voilà, tout est mort. Donc lui il fait mal parce qu'il y a son levier. Son levier, oui, c'est son levier qui était. Oh putain. Qui était enchanté. Donc ça faisait mal. Bon bah là je prends les viandes et tout ça, je pense pas que l'XP sert à quelque chose dans cette map. Tu peux t'en aller, merci. Hop. Hop, premier générateur fait. Donc les générateurs fait office de checkpoint, hein, si j'ai bien compris. Ah là là. Donc, je préfère tuer tout le monde, hein, je suis tranquille. On va faire quelque chose. Hop 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 hop. Hop. Oh putain, voilà d'où il vient lui. Je pense qu'il a spawné je sais pas. Donc dans cette map, j'ai remarqué parce que j'ai fait 50 minutes de vidéo. Et, 2 leviers déjà. Et il n'y a jamais eu la nuit, donc cette map, la nuit, n'existe pas. Voilà, on va faire comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, la brique 3,5 de dégâts. Et l'épée en bois 4 points. Donc. Donc pas très plus élevé, mais bon. C'est bien d'utiliser parfois. Quand il y a beaucoup de zombies, comme là il n'y en a qu'un. Donc on utilise la brique. Voilà. Donc des fois 2 voire 3 coups ces zombies-là. Comme vous voyez là. Même 4. Bizarre. Hop, donc faut vraiment regarder partout. Donc là on va profiter de mettre ce qu'on vient de prendre.
ça c'est une grenade, donc c'est toujours important de la prendre assez près du curseur. Donc là, stop autorisé véhicule. Donc ok, le véhicule n'est pas autorisé, mais on va pouvoir passer autrement. Voilà, donc ce secteur est fait. Donc comme ce secteur est fait, on va laisser la porte ouverte, comme ça j'irai pas. J'irai plus. Là, on va aller à gauche. On va aller ouvrir les portes que j'avais pas ouvertes tout à l'heure. Soit à gauche, soit à droite. À droite, il y a trop de monde. Je vais aller à gauche plutôt pour l'instant. Déjà des zombies qui m'attendent. Hop là. Voilà, donc lui, il a été touché normalement. Voilà. C'était une grenade hein, que je venais de jeter. Putain, ils font mal. Hop, je vais fermer un petit peu. Je vais manger mon steak. Une petite coupure. Voilà, on se retrouve. Allez, c'est parti. Oh putain, lui, il était là. Il était bien caché. Putain. Elle. Voilà, encore deux leviers. Donc là, pour l'instant, niveau levier, je suis tranquille. J'ai des épées. Encore une grenade. Donc ça, c'est intéressant. J'en ai deux même. Très intéressant. Ça j'ai peur la grenade. Alors là c'est combien? 7 points d'attaque. Donc là c'est vraiment très très intéressant. Je vais peut-être pas utiliser contre eux, je vais utiliser contre les noirs plutôt. Ah voilà, voilà. On va utiliser la brique. Vu qu'elle suce pas tout simplement. Hop, je pense que j'ai tué tout le monde. Hop. Oula. Donc ici il fait clair. Non, pas du tout, complètement l'inverse, il fait sombre. Hop là. Allez, venez. Donc là, la technique du fourbe. Les faire venir ici, bon, sauter en même temps, c'est un peu bizarre. Alors, est-ce que ça marche? Boum! Boum! Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Donc là, c'était une grenade qui les faisait ralentir, donc c'était intéressant de le faire. Surtout quand on est dans la mouise. Là, j'étais pas vraiment dans la mouise, mais bon. Donc là, j'ai un levier, donc ça va. J'avance assez vite. Ici, je sais pas si ça sert à quelque chose de l'activer, donc je l'active hein, tout le temps. 3 et 4 et 5. C'est bizarre, hein. Des fois c'est 5, des fois c'est... J'ai deux leviers encore, c'est parfait. Hop, ici, je crois qu'il n'y avait rien de spécial. J'active le levier. Donc ici, c'est une grande cour, une géante cour même. Il faut vraiment regarder partout. Il n'y a pas des choses à prendre. Alors ça, c'est un bug, hein. Le mec qui va très très vite. Je crois pas des fois comment il faut pour être aussi fort. Bah aussi avoir autant de santé. Donc au début je croyais que c'était l'hélicoptère qu'il fallait prendre. Je croyais déjà avoir fini la map, mais pas du tout. Hein, faut... Donc voilà, un deuxième générateur. On va les compter. Oula non. J'allais faire une connerie. Je savais qu'il y en avait un qui me suivait. Le mec qui fait je sais pas quoi. Il y a des bugs parfois. Donc là je vais rester là. Personne ne me suit. Alors. On va prendre du pain, ça rend 2, je crois, voilà. Voire même un petit peu plus. Donc là, je suis assez tranquille niveau matériaux. Donc là, on va les mettre comme ça, comme ça. Là, ça me rend de la santé, du soin. Donc de la vie seulement, pas de la viande. Donc, faire attention à ça, faut faire gaffe. Des grenades, et grenades. Je prends. Hop. Soit ça sert à rien, je laisse là. Voilà. Allez, c'est parti, on peut repartir. Je vais activer tout de suite le générateur. Ah oui, il faut un levier, d'accord. J'en ai deux, hein, je sais bien. Je vais tuer lui avant. Eh, mais lui, il était fort. Voilà, deuxième levier, c'est fait. Deuxième checkpoint, donc. Donc, plus que deux générateurs à activer. Et on va pouvoir aller à la... Je sais pas comment s'appelle le truc, mais... Ça va être dur là. Grenade plutôt. Grenade, grenade, grenade. Boum. Voilà. Et épée en fer contre lui.
Voilà. J'ai bien joué là. J'ai bien joué. Donc quand même, avoir trouvé la brique, ça m'a bien aidé parce que je sais pas expliquer quoi qu'on avait une brique qu'on pouvait utiliser contre les ennemis. Et que surtout elle s'usait pas. Donc, ça c'est vraiment très intéressant. Lui il va vite, c'est bizarre. Donc je vais l'utiliser pour les plans fer, voilà. On va remanger un petit peu. Et je vous retrouve juste après. Voilà, on se retrouve, c'est parti. Hop, 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 hop. 6, 7. 7 fois pour le tuer, quoi. Des fois, il y a des zombies bizarres. Je sais pas ce qu'ils ont comme armure, mais on dirait du cuir, donc c'est pas non plus. Plus que tout à l'heure. Alors ici, on peut ouvrir peut-être. Il y a un coffre, hein, pourtant. Il doit y avoir un système pour l'ouvrir. Ah non, il n'y a pas de coffre, ok. Je croyais avoir vu un coffre. Oh punaise, il y a du monde là. Il y a du monde. Putain, mais je sais pas ce qu'il leur faut, eux, mais. Et ils font mal, hein. Je suis en facile, les gars. Ils font super mal. Bon, ça se voit bien que la map a été faite avec un mod, hein, parce que les zombies meurent pas pendant la journée. Ok. Bon, j'espère que ça va pas bugger, parce que bon, la map est faite pour la version 1.7.4, et je suis en version 1.7.2. J'aurais dû changer ça, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Et il n'y en avait plus autant tout à l'heure. Oula, que je me mette en hauteur là. Carrément m'enfermer. Voilà, ici. Alors, on va prendre de la vie. Une carotte, je sais pas combien ça donne. Un et demi, c'est pas beaucoup. On va prendre de la chair putréfiée. Et voilà, allez, c'est reparti. On va les contourner si je peux. Je pense pas qu'on a le droit de prendre du bois. Je sais pas en fait. Donc où on est? Bon. Tourne ici, d'accord. Ok, j'ai fait le tour en fait au final. C'était juste pour le générateur, ok. Bah, ici, y a rien de rajouté, donc ok. D'accord. Donc il me reste deux leviers, on va les utiliser. Hein. Alors, là-bas ou là-bas? Voilà, on va aller là-bas. Allez. Alors à droite, à gauche ou tout droit? À vous de choisir. Ah, vous pouvez pas dire. Bah, on va aller. On va aller ici. Est-ce qu'il y a un générateur? Putain, il m'a touché l'enfoiré. Ouais, je crois pas qu'il y avait un générateur. Est-ce qu'il y aurait un générateur? De toute façon, je suis obligé de venir ici de toute façon. Ah, lui il y a un levier donc voilà. On va l'activer. Hey, il court vite. Hein, mais tu vas pas me dire que la nuit va arriver quand même. Tout à l'heure ça avait bugué ou bien? Oh là là. Il me saoule lui. Voilà, donne-moi mon levier. Ça c'est fait. Toi, tu vas pas faire un feu. Voilà. Allez, on continue.
On va les contourner, genre Resident Evil. On va pas tous les tuer. Oh putain! Lui est sorti vite, lui. Oh, comment il a été vite? Allez, on se casse, on se casse, on se casse. En haut, il doit en avoir de toute façon. Je vais me faire avoir. Oh merde, bah, ici cul-de-sac. Faut pas se mettre dans des cul-de-sac. Oh non non non, cul-de-sac, 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 cul-de-sac. Ah c'est chiant qu'il n'y a pas d'endroit pour s'enfermer. Oh là là, cul-de-sac encore. Ça va, ils m'ont pas suivi. J'ai plus rien pour remettre de la vie tranquillement. Ça c'est fait. Pas de coffre. Coffre. Yes. Putain, j'aime pas ces zombies qui sont rapides. Ouh là là, une grenade serait gentille. Ouh putain, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. C'est pas bien d'aller dans un cul-de-sac. C'est pas bien d'aller dans un deuxième cul-de-sac. Une grenade, c'est bien, mais faut pouvoir l'utiliser. À bon escient. Boum. Ah, c'est la bonne technique apparemment. La pierre, voilà. Là-bas, il y avait quoi d'autre? Ah oui, une porte. On va y aller. Hein. C'est dans les tours. Ok, on peut aller en bas. On va pas s'en trouver. Donc là, j'ai 5 flèches. J'ai 2 grenades. C'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a un générateur ici? Si vous le voyez, vous me dites. Vous pouvez rien dire. Mais j'ai plus de vie, pourquoi? Il m'a touché qu'une fois le mec. Touché. Touché. Bon bah allez, à tout de suite là. Je suis obligé de couper, à tout de suite. Allez, c'est reparti. J'ai tué quelques zombies pendant la coupure. C'était pas non plus très intéressant. J'avais pris des trucs dans le corps. Non, bah voilà. Je suis nul. J'ai ici, c'est pour. Mais. Hop. Alors ici, est-ce qu'il y avait un générateur? Là-bas, il y a un truc à activer apparemment. Ok, c'est bon à savoir. Comment il m'a vu lui? Ok, donc on va devoir y aller quand même au final. D'accord. Hop, hop. Ah bon. D'accord, c'est fermé ici. C'est dommage, hein, vous pouvez rien faire. Bon, bah, en demi-tour. J'ai mal aux yeux, les gars. Allez, dégage, 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 dégage. Hop. On va aller à vitesse plus, mettre le levier là-bas et l'activer. Hop, hop. D'accord, c'est pour ouvrir. Un autre passage, logique. Ah ouais, il y a le générateur, yes. Troisième. Plus qu'un après. Merde. Oh putain, il y a un noir. Bah. Pour mauvais jeu de mots, bien évidemment. Prends la grenade. Merci. Non. Connard. Dégage, 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 dégage. Boum. J'ai le levier.
je vais pouvoir activer le générateur, avoir le checkpoint, voilà. Plus qu'un. Après c'est fait. Ici c'est quoi? Armorerie. Oh putain, il y a une armurerie. Ah ça c'est bon ça. C'est bon à savoir. On va essayer de trouver un autre levier, j'en ai pas d'autre. Hein, mais... C'est bon à savoir, il doit avoir des trucs tarés là-dedans. Bah, j'espère. Sinon c'est pas une prison de ouf. Tac 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 tac. Boum. Allez, dégage. Tac. Oh, putain, c'est fermé. Je voudrais bien avoir un levier, un petit coffre là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis enfermé maintenant? Ah non, d'accord, c'est ici. C'est ici. Là-bas, c'est ouvert. Ici, on est ok. Il y a un levier ici. Ben, il y a un zombie derrière aussi, c'est ça le problème. Donc là, j'ai fermé. Haha. On va reprendre du souffle. Hop. Un petit peu de viande. Puis moi, ben, je vais vous dire qu'on va se retrouver pour un prochain épisode. Je pense le dernier. Donc un épisode 2 et le dernier. Pour le dernier générateur. Allez, je vous dis à la prochaine. C'était Matenja.